Dans notre convivialité où l'ambiance, les fous rires sont au rendez-vous. Ouais. Je rappelle qu'un cadeau est offert à l'hôtesse qui me reçoit. C'est pas les fous rires, c'est les fourrages. N'hésitez pas à me contacter pour organiser une réunion chez vous. Les commandes seront prises en toute discrétion. Laetitia. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour, je suis Laetitia. Oui. Oui, je vous appelle pour les réunions sextoy. Oui. Ben, je veux savoir comment ça se passait. Bah, ça dépend combien tu as. Mais c'est pas vous, Laetitia. Si, c'est moi, en fait. Ah, Dio, tu as une belle voix, Laetitia. Ouais. Oui, je suis, moi aussi, moi je suis une femme également. Hein. Je m'appelle Pamela. Je pense qu'on va se comprendre. Ah bah tous les deux, oui, entre Laetitia et Pamela, oui. Bon, dis donc, moi j'aimerais bien assister à une petite réunion sextoy, là. Eh ben écoute, faut qu'on se donne rendez-vous. Ah bah écoute, y a pas de problème, tu es dans quel coin, toi, mon coco? Moi, je suis à côté d'Orléans. À côté d'Orléans? Bah, je suis à Paris, mais je peux me déplacer au moins pour ça. Et en plus, avec la voix que t'as, tu dois être très très belle. Par contre, si t'as un peu de couille, tu m'appelles pas en numéro masqué? Comment? D'appel en numéro masqué? Ah, mais non, mais je n'ai pas de couille, je suis une femme. Ah oui? Ah, d'accord. Voilà, Laetitia, ne t'énerve pas, ma chérie. Mm-hmm. Moi, c'est Pam. Pam. Alors, d'accord. Quand est-ce que ça a lieu la prochaine? Parce que j'aimerais m'acheter un gros god. Hein. Bah, quand tu veux. Tu en as un, toi, gros? Ah, moi je suis gros, moi oui. Non mais un gros god. Ah non, mais je suis gros, mais faut pas que je te tombe dessus parce que je vais te faire mal. J'ai d'accord. Dis que tu es tout petit. Moi je suis tout petit, moi. Toute petite même. Elle est chaude. Je fais 1m54, je suis debout. Ouais, reste encore un peu plus longtemps, vas-y, parle-moi. Oui, bah, je te parle, Laetitia. Parle-moi. Avec une voix pareille, je vais rester en ligne. Tu vas encore en faire jouer un autre. Alors, quand est-ce que ce week-end t'en fais une petite? On peut se rencontrer? Ok, bon, ça fait 1 minute 30. Oui. Je te rappelle le FBI. Non, c'est pas le FBI, il a vu ça dans un film de Coluche. Ah, il est 30, c'est la table des. Si tu veux, je suis avec gros chum des experts. Cédric, ouais, je suis là, ouais. Oh, voilà. C'est moi. Donc là, ça fait une 40, là, c'est bon, là aussi. Une 40, je pense qu'il va nous repérer. Il va nous repérer. Eh ben, bonne nuit. C'est bon, tu m'as repéré là ou pas? Attends, c'est le satellite. Est-ce que la table d'écoute nous a repéré? Attends, il fait les recherches, là. Bon, bah écoute, on arrive alors, hein. Bisous Laetitia. Salut Laetitia. Ah oui, car c'était Laetitia qu'on avait envoyé avec nous. Voilà. Moi c'est bon, 1 minute 30, c'est bon. Voilà. Bon, alors oui, ils disent tous la même chose. Ah, il y en a un de la France. Hein. Ouais, c'est vrai. Le 30, non, mais lui il est chelou quand même. Oui, c'est ça, il regarde trop des trucs New York, unité spéciale. Non, c'est Coluche, Marie. Ah, c'est Coluche, complètement. C'est tout à l'ancienne, là. C'est l'inspecteur la bavure. Un grave vieux, putain. Alors, organisez-vous une soirée shopping sexy entre amis avec moi. Mmh. Ah bah pourquoi pas. Si vous souhaitez passer une agréable soirée autour du thème des sextoys et de la lingerie sexy. Mais Conaïro était ravagé lui. T'as envie d'y aller, tu vois, sa réunion à lui. Tout en s'amusant dans la bonne humeur. Ah bah c'est toujours dans la bonne humeur. Une petite réunion comique, donc tout de suite, c'est parti. Allez. Celle-ci elle est dans le 76. Parce qu'il y en a dans toute la France. Hein. Ah ouais. J'en ai dans le 66, dans le 59, dans le 93. Tiens. Ah mais t'en as partout. Hein. Toulouse, hein. À Toulouse également, dans le 50. C'est très recherché. Hein. Ah ça sonne. Dans le 63 également. Donc là on est dans le 76. Allô. Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir. Allô. Oui, c'est qui? Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Non. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends. Ah, c'est Pamela l'appareil. C'est qui? Pamela. Pamela, et je vous appelais pour la réunion sextoy, je suis avec mon mari. Oui, bonjour, je suis le mari de Pamela. On vous appelait pour les réunions sextoy, on avait votre petite annonce. Oui. Et donc on serait intéressé pour faire une réunion sextoy avec ma femme. Oui, sauf que vous êtes en France. Comment? Vous êtes en France. Ah oui, on est en France, oui. Ah oui, nous on est en France. Hein. Oui, oui. Ben, ça va être difficile parce que moi je suis pas en France, dans les dom-toms. Dans les dom-toms. On peut voyager, ma chérie. On se déplace. Ah ben, y a pas de problème. Attends, vous êtes où dans les dom-toms? On est en Guadeloupe. Ah, vous êtes en Guadeloupe. C'est cool. Ah, ben c'est bien. Bon, oui. Bon, on va venir, vous nous payez le billet. Comment? Vous nous payez le billet, on arrive. Oui, c'est ça. Ah ben, écoutez, c'est très bien alors, c'est très gentil. Eh ben, big up Guada. Bah écoutez, c'est bien. On a donc récupéré un billet. Bravo, voilà. Romano. C'était un peu comme ici. Conseil pas. On va au bébé derrière. Hein. Qui chiale entre vendre des godes et elle vend des godes. Non, très bien. Mais pourquoi pas? Il y a plein de mères de famille qui vendent des godes. Bah oui, la preuve. Bah, regarde, Marie. La preuve. Bon bah Romain, tu peux pas t'empêcher de gratter, c'est fou ça. Non mais voilà, bah attends, un petit voyage en Guadeloupe. Passe un coup de fil et essaye de récupérer tout de suite. Hein. Ah tu vois, il y en a partout. C'est bien ce qu'on vous disait. Ah ouais, t'es en Guadeloupe, ouais. Eh, Guadana. Bon, on a voyagé, très bien. Dans puis il y en a beaucoup en province parce que du coup t'as moins de sex shop, donc. Ouais c'est vrai, il y a quelqu'un là. Il y a Gunk. Salut Gunk. De Bourgogne, recherché en Bourgogne.
Recherchant. Alors, allez, pourquoi tu dis pas? Bah parce que Difool a fait l'écran noir. Pas du tout, j'ai pas fait l'écran noir, Romano. Ah bah voilà, j'ai perdu. Stop. Alors, lis. Allez, Romano, je ne trouve plus le message. Mais lis. C'était quoi le message? En gros, qu'en Bourgogne, il y en avait un bloc des réunions sextoy dans la Nièvre.